Sous cette botte de terre repose le désormais feu Wilfried Sonagno Adande, jeune agent de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, OETB, bouclant son circuit 2 décembre 1982, 13 février 2020. On est ici au cimetière d'Adjagbo, une localité de la commune d'Abomey-Calavi. Mais avant, ici à Lambog, les anges d'Abomey-Calavi débutent les ultimes hommages à ce bras valide et à ce cerveau solide parti à la veille de son âge quadragénaire. Pour un jeune de 39 ans qui s'en va comme ça à fleur d'âge, c'est très pénible. Requiem, mélopée et prière fusent. Et ne nous laisse pas entrer en capacité. Devant son épouse et ses deux enfants qui se refusent à l'évidence. Une déconfite et l'âme n'ont pas empêché le cercueil d'être définitivement refermé. Le portail s'ouvre pour le cortège funèbre qui s'achemine alors vers l'église catholique Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi pour une messe corps présent. Dans son homélie en langue locale, Thomas Akowano, du ministère extraordinaire de l'Eucharistie, met un accent pointu sur la vanité et la vacuité de la vie, amorti et renfloué par l'espoir du lendemain et l'espérance en Dieu. Justement, le défunt a un prénom invocateur d'un certain espoir, son agnon, littéralement « demain sera meilleur ». Il a aussi un nom évocateur d'un certain élan frondeur, attendez, littéralement, une colère. Deux sentiments contenus dans les témoignages. Les volutes de l'absoute conduisent l'âme vers les lieux célestes. Les véhicules en cortège conduisent le corps vers le dernier lieu terrestre. Wilfried, affectueusement appelé Willy, était au service énergie, où il servit avec grande énergie et bonne synergie entre collègues. Il laisse donc derrière lui des amis, une veuve, une orpheline et un orphelin. En avant donc, dorénavant, pour les limbes, Wilfried Sonagno Adande, tes collègues de l'OETB ne t'oublieront jamais.